aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien. Donc là, on est le week-end, on est sorti avec Youssef, on est parti au magasin. En fait, ce matin, à la base, on devait finaliser quelques travaux. Je vais baisser un peu le son de la télé. Hop là. Voilà. Pause, je vais mettre pause. Donc, je vous disais, on devait faire quelques petites bricoles, c'est-à-dire mettre quelques cadres, mettre le lustre dans le salon. Je devais mettre des miroirs dans ma chambre. Je devais faire quoi encore? Ça? Je suis en train de réfléchir. Ouais, voilà, vous voyez avec ça à faire. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à Youssef, franchement, j'ai trop envie de sortir, j'ai pas envie de rester à la maison. Et du coup, ben, on est sorti, on a fait le petit déj à Paul. Après, on a fait les boutiques. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Après, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on est parti manger dans une pizzeria, dans un restaurant italien. Trop bonne. Franchement, la pizzeria, j'ai pris une margarita bufala. Trop bonne. Vraiment très bonne. Et puis voilà, après je suis partie faire quelques petites courses parce qu'il manquait quelques courses à la maison. Et puis on est rentré. Voilà, là on est rentré. On est avec Nana. Elle est juste là. Elle est allongée là. Vous la voyez? Elle est juste là, Nana. Donc voilà. C'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo explicative, c'est-à-dire mon accouchement, etc. Parce que oui, j'ai accouché entre-temps. J'ai déménagé. Donc là, ma fille, elle a eu 5 mois hier. Ça passe trop vite. Franchement, ça passe trop vite. Et puis voilà. Donc là, je reviens. Je vais essayer d'être régulière sur YouTube parce que franchement, c'est vrai qu'il y a eu plein d'événements cette année. Du coup, je pensais que j'allais être plus active sur YouTube, etc. et tout, mais j'étais fatiguée, j'étais vraiment très fatiguée avec la grossesse. Après, il y a eu l'accouchement, il y a eu le ramadan, etc. Il y a eu le déménagement, bon bref, recherche de maison, nanani, bon, c'était très intense. Après, on s'est installé, il a fallu faire quelques travaux, etc. Là, on va dire que on commence un peu à souffler. Vraiment un peu. Ma nana, elle va commencer à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, patate? Qu'est-ce qu'il y a? Pas contente? Donc voilà. Et donc là, je vais vous garder avec moi. Bon là, on est en fin d'après-midi. Donc je vais vous montrer mes achats. Et j'ai une tonne de linge à plier. Donc, je vais vous montrer ça. Toi aussi, tu veux parler? Attendez, je vais vous montrer, Nana. Elle veut parler, elle aussi. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi, Nana? Tu sais pas? Voilà. Quand on la filme, elle est toute calme. Tu nous montres ton pyjama? Oui? Il est beau, ton pyjama. Oui, Nana, il est beau ton pyjama. Il est trop beau. Regardez-moi ses petits pieds. Elle aime trop quand j'ai fait le bisou au pied. Mon amoureuse. Je t'aime, ma fille. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez très bien, j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous raconter, vraiment, restez au rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et donnez-moi de la force pour que je puisse revenir en force et être régulière à vous poster souvent des vidéos. Je pense que je posterai une à deux vidéos par semaine, pas plus, parce que je pourrais pas entre le travail, le bébé, le ménage, le mari, vous savez, c'est compliqué, le montage, etc. Pff, franchement, je pourrais pas... poser une vidéo par jour ou une vidéo tous les deux jours, c'est impossible pour moi. Vraiment très compliqué. Un enfant, hein? Un petit enfant là, ça prend... Ça prend beaucoup de temps. Regardez, elle sourit. Ça prend beaucoup de temps. Oui, maman?
tu prends tout mon temps. Et maman? Et maman? Oui? Je l'aime, ma fille. Donc oui, ça prend énormément de temps. Donc voilà, je pense que je vais faire une à deux vidéos par semaine. Et puis voilà, donc restez avec moi, je vais vous montrer mes achats. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Moi, j'ai pas acheté énormément de choses parce que, comme vous l'avez vu, je vous ai montré le vlog d'Espagne. J'avais acheté énormément de choses. D'ailleurs, j'ai tout mis à laver. Il faut que je les plie, il faut que je les range. Hier, j'ai fait du tri dans mes vêtements et dans les vêtements de Nana. Donc oui, j'ai fait des tris. Oh, je vais vous montrer. Montre ma fille. Donc là, j'ai deux sacs poubelles. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, vous les voyez. J'ai deux sacs poubelles là. C'est mes habits que je mets plus. Que je mets plus du tout. Donc là, c'est les achats qu'on a fait là aujourd'hui. Voilà. Là, c'est mes deux sacs poubelles. Sacs poubelles remplis d'habits. J'en ai un en haut de Nana. Parce que le un mois, ça lui va plus. Il y a du 3 mois aussi qui lui va plus. Du coup, voilà, ça va aller au garage parce que, en fait, dans mon garage, enfin, il faudrait que je vous montre mon garage, vous allez prendre peur. Donc là, je suis en train de tout trier, j'ai plein de vaisselle, plein de déco qui me plaît plus et tout. Donc je pense que un jour, j'irai au marché aux puces. J'irai au marché aux puces et j'irai vendre parce que j'ai tellement de choses. Que faut que je les vende parce que c'est pas possible de mettre sur Vinted, de mettre sur si ça me saoule en fait de sortir les bons, aller jeter au colis, nanani, au point les bons, bref, ça me saoule moi. Vendre des articles à 2-3 euros, ça m'intéresse pas en fait. Taper, sortir les bons et tout, aller, non, ça m'intéresse pas. Donc je préfère aux puces, je les vends pareil, 2-3 euros et puis voilà, ça part quoi. Et puis voilà. Ouais. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée au... Ça s'appelle Hilton. Donc c'est le magasin Hilton, c'est le magasin de chaussures. Donc j'ai pris des New Balance. C'est une nouvelle. J'aime trop. J'ai vu chez plusieurs filles et j'ai trop aimé le modèle. Donc j'ai pris celle-ci. Franchement, elles sont trop belles. J'aime trop. En fait, il y a plein de couleurs. C'est le nouveau modèle de New Balance. Voilà, derrière, c'est beige. Il y a du rose, du violet, du blanc, du bleu, du vert, du beige. Trop belles. Franchement, trop belles. J'ai pris du 38, je crois. C'est du 38. À la base, je fais du 39, mais ça taille grand. Donc voilà, j'ai pris celles-ci. Elles sont à 99 euros. Je pense qu'elles sont à 90 euros dans tous les magasins. Même si vous les commandez sur Asos, sur Zalando et tout, vous allez les trouver à ce prix-là. Donc moi aujourd'hui j'ai pris que ça. J'ai pris qu'une paire de baskets. Et après je suis passée à Nature et Découverte. J'ai pris cette fameuse, je vais montrer, la fameuse tortue veilleuse. En fait, elle met de la lumière sur le plafond. Donc celle-ci, je l'ai pris à 49,90 €. Ouais, c'est à 49,90 €. Je la voulais trop. En fait, quand j'étais enceinte, je me suis dit, je vais l'acheter. Et en fait, je ne l'ai pas acheté. Et du coup, ben, là, je lui ai pris. Je lui ai pris et je suis trop contente. Trop bien. Donc voilà, j'ai pris ça. Après, ben, Youssef, il a fait quelques achats chez Levi's. Il a acheté deux jeans chez Levi's et il a acheté un pantalon chez Zara. Donc voilà. Ouais, voilà, lui il a acheté ça. Et chez Zara, bon, moi, je vais pas vous montrer, c'est des jeans voilà, de mec, quoi. C'est pas intéressant. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et là, je vais monter et je vais vous montrer la ruina. Quand je vous dis la ruina, dans le salon, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'en peux plus du linge. Je sais pas si vous aussi c'est pareil. Mais moi, le linge, j'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai tout le temps du linge. C'est incroyable. Je vais vous montrer le bordel. Saha la coupe. Je vais voir un peu ta coupe là. Je suis bon pour aller à Antalya ou à Istanbul. Hein? Saha tek.
Alors, t'es content de ta coupe? Je suis trop frais. Ah ouais, je suis trop frais, je suis un missile. Ah, carrément. Machallah. C'est la première fois qu'il réussit ta coupe. Voilà, trois essais. Il lui a fallu trois essais. Fais voir, de plus près. En fait, t'as vu? C'est ça. Moi, je lui dis, en fait, je lui dis, monte droit là. T'as vu comme il est monté là, t'as vu? Ouais. Ben lui, non, il me faisait les coupes. Tu vois, ça, les coupes du bled là, quand ils te font tout arrondi là. Ouais. Et ben, c'est ce qu'il me faisait. Et là, t'as pas touché en haut du coup? Non, j'ai pas touché en haut. Ah bah, ouais, j'ai un trou à cacher, oui. Mais il a mis du temps, il avait du monde. Ouais, il avait du monde. D'accord. Bon, ben voilà, Youssef, il a fait sa coupe, sa barbe. Il était temps parce que oh, c'était une catastrophe. T'as vu? Vraiment. Catastrophe, moi, je suis une catastrophe. Ah ouais, t'étais vraiment une catastrophe. En plus, ah, non, en fait, regarde, je vais t'expliquer. En fait, Youssef, il a les cheveux blancs. Je vais t'expliquer, regarde, écoute, je vais t'expliquer. Vas-y, explique-nous. En fait, si je coupe mes cheveux, j'ai trop de demandes d'amis. Du coup, faut pas que je coupe mes cheveux. T'as compris? Ah, parce que tu montes ta tête, toi, d'habitude? Mais je montre tout, moi. D'accord. Ouais. Du coup, quand je coupe mes cheveux, tu vois, je sais pas si c'est le soleil ou si c'est l'effet, tu vois, beau gosse, tu vois. Du coup, voilà, trop de demandes d'amis. Du coup, je coupe le moins possible, comme ça, tu vois, tranquille, tu vois, comme ça. D'accord. On est bien. Ok, d'accord. Voilà. Il y a encore les affaires, là, je les ai pas montées. Les affaires, ben, qu'on a achetées. Ah ouais. Et voilà, la petite, elle est là-bas. Les sacs poubelles, il faut que Youssef les mette dans le garage. Ce serait bien que tu les mettes au garage, Youssef. Et elle, je la mets où? Elle, tu la laisses là. Eh, tu rigoles? Ah, tu sais quoi, elle était de l'autre côté, elle s'est tournée de l'autre côté. Voilà, c'est le français ce que tu m'as dit. Non, mais sa tête, elle était de l'autre côté. Et elle a réussi à tourner. Ouais, t'as cru quoi, c'est une horloge. Voilà, t'es. Hein? Yeah. T'es à l'air. Il est quelle heure là? Alors, regardez-moi ce tas d'habits, de vêtements. C'est la folie. J'ai 5 machines. Donc là, j'en ai plié 4. 4 machines. Il me reste 7 panières. 7 panières, il n'y a que des draps, des thés d'oreiller qui sont propres. Regardez-moi tous ces habits. C'est la folie. Là, j'ai plié les habits à Youssef. Là, c'est les serviettes de main. Là, c'est tout ce qui doit aller à la penderie avec mes voiles et tout. Là, c'est les sous-vêtements. Là, c'est mes pyjamas. Les affaires de la petite, les draps, les thés d'oreiller. Oh ah là là, ça s'arrête plus tout ça là. 5 machines que je plie là. Toute seule. Tout à l'heure, je suis montée. J'ai fait la douche à Nana. J'ai fait ma douche aussi. On a mangé, je l'ai couché et j'ai rangé un peu la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, on est sorti, j'ai pas fait le ménage. Bon, c'était propre hein, et il me manquait juste à faire le linge. Du coup, j'ai fait ça. Voilà, ce soir, samedi soir, pliage de linge. Voilà, il y en a qui sortent, il y en a qui vont au resto, il y en a qui vont au ciné, il y en a qui vont chez des amis ou chez de la famille. Nous, ce soir, ben, nous, c'est plutôt moi parce que Youssef, il est sur son ordinateur tranquillou bilou. Et moi, je suis là, je plie. Bon, je suis sur mon canapé tranquillement. Je regarde la télé en même temps, donc ça va, ça fait passer le temps. Donc voilà, et c'était pour clôturer le vlog aussi parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer la pile d'habits que j'avais. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt !